parler là, non mais on a parlé là. Delma 24. Bandi a mangé moun Delma 24 et également Delma 28. Donc, la police voyait blender pour moun Delma 24, Delma 28, voyait blender pour moun Delma 24 également Delma 28. Et n'a continué demander qui ça bandi ou vle. Qui ça nous vle? Ah. En tout cas, n'a dit et c'est pour Claudette. OK, Claudette. Comment rien, papa tourné. Papa tourné, papa. Non, non. Ah. Papa, tout est clair là, tout le monde est clair. Oui. Hein? Mais faut faire attention, oui. Bon père, papa, papa. Oh, bon père, papa, papa. Bon père, papa, papa. Sénateur Lambert, comment nous sommes? Bien content de matin, comment nous sommes? Nous sommes en forme, mais nous sommes jugés pour que matin nous sommes présents dans l'installation conseil présidentiel là. Parce que l'y aller en étroite ligne avec ça que nous toujours nous-mêmes apprenons. Exactement. De la nécessité d'avoir et, ou de disposer d'un exécutif bicéphale. Très bien. Avec bien sûr un président ou une présidence et un chef de gouvernement. Je ne veux dire, ce n'est qu'après 33 mois qu'on rend compte et que c'est cette formule qui est capable de permettre que plus ou moins nous espérer de l'an demain meilleur pour le pays. Et moi, j'estime que c'est on part dans la bonne direction et je dois en profiter pour saluer non seulement le courage et la détermination de l'ensemble des secteurs qui ont même choisi pour que vous intégriez le conseil présidentiel, ça. Et nous souhaitons à l'œuvre le plus vite que possible parce que la population n'a pas qu'à attendre encore. Non, pas qu'à attendre, pas qu'à attendre. Nous croyons que pour une fois, ça que nous conduit et que qui toujours positionnons, que ce soit comme président du Sénat, que ce soit comme citoyen, nous toujours dit et que nous prenons non pas une occupation militaire, mais n'apprenez en assistance technique opérationnelle armée de l'international, mais en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Alors, nous-mêmes, lorsque nous avons parlé de forces armées d'Haïti, il y a des gens, le commun des mortels, qui même peut parler de forces armées d'Haïti dans le pays pour ne pas froisser la susceptibilité des uns et des autres au niveau de l'international. Aujourd'hui, nous rendons compte que des hauts responsables américains, des sénateurs américains comme moi, d'ailleurs, M. Rubio, qui encourageaient en assistance et félicitaient les militaires haïtiens qui, par leur bravoure, leur détermination, assisté de la police nationale et bien arriver sécuriser le plus que possible l'aéroport international de Port-au-Prince. Correct. Moi-même, c'est un ensemble de pas dans la bonne direction et que nous croyons que les 6 conseillers ou bien les 9 conseillers eux-mêmes, que ce soit les 7 qui ont le droit de vote et les 2 qui sont des observateurs, ils doivent être appuyés et supportés par l'ensemble de la population haïtienne, toute tendance, tout haïtien de bonne foi confondu, pour que définitivement on puisse espérer de lendemain meilleur et engager le pays définitivement sur la voie de la. Très bien. C'est là dans le là. Vous connaissez ce soir. Et que je crois que je n'ai rien dit à fondamental. Très bien. Et là, et n'a pas attendu, bien entendu, que l'autre étape gagne le président ce conseil-là qu'on y a là, plus le premier ministre. Profil premier ministre, selon vous-même, comment le t'as doué? Moi, je ne suis pas parlé de président ce conseil-là. Non, président, correct. Allez-y. Et maintenant, il y a un commentaire sur lui. C'est une question difficile, c'est une équation à plusieurs inconnus. Et c'est ça que je veux dire, si je fais algèbre, si je mets expression dans sa forme canonique, ax carré plus bx plus c égale 0. Qui est lié, je veux dire. Nous avons 7 secteurs. Et il y a des membres dans le secteur qui ont des liens en commun. Il y a d'autres qui n'ont pas de liens en commun,
et qui se renforce. Nous gagnons un schéma côté Jounen Jodia, gagnons deux groupes apparemment de trois et avec bien sûr un élément neutre. Moi je dis apparemment neutre. C'est presque un régime d'assemblée. Il faut une majorité de 4 pour élire le président. Et si cette majorité de 4 se consolide, on va joindre le même schéma ça, hein, dans la désignation, bien dans la nomination du Premier ministre. Parce que les 4, parce que la vraie présidence et le vrai pouvoir résident non pas en un président que on va nommer ou bien élu, mais il va rester dans un schéma majoritaire. D'un côté, c'est 4 conseillers qui, à chaque fois, appellent capables de trancher sur les grandes décisions. Alors, je vais vous dire, quels sont les acteurs ou bien les premiers ministrables en présence? Pour ça, l'opinion publique dit, nous avons Louis-Gérald Gilles, nous avons Edgar Leblanc, nous avons Leslie Voltaire et Fritz Alfonso. Cela voudrait dire... Cela voudrait dire, si Fridjian, d'après vous, dit Fridjian pourrait se retirer de la course. Okay. Si Fridjian se retire de la course, nous voyons un schéma côté, le trio Laurent Saint-Cyr éventuellement, et Leslie Voltaire éventuellement, et Fridjian, eh bien, nous voyons gagner un candidat à la présidence en la personne de Leslie Voltaire. Si maintenant, l'autre trio qui vient là dans Vertilaire, Petit Dessaline, qui vient là dans Smith-Augustin, Redi Ed, Red Compromis, et qui vient là dans tout... Louis-Gérald Gilles. Louis-Gérald Gilles et 21 décembre, ça t'a voulu dire que si vous consolidez, vous avez un candidat à tout. Parce que de plus en plus, schéma, ça, c'est lui-même qui présentait. Bien. Quid maintenant et l'OPL avec Edgar Leblanc, son troisième monde, et m'a dit en toute sincérité, ce troisième homme devient beaucoup plus important que les deux, que les six avec deux groupes de trois réunis. Bien. Pourquoi? Parce que c'est la minorité qui va s'imposer, c'est la minorité imposante, et c'est lui, uniquement lui, qui va déterminer de quel côté sera le président, parce que dans l'accord, il est prévu que tout monde qui est dans le conseil départemental, qui est dans le conseil présidentiel, là, qui a droit de vote, eh bien, ils sont tous supposés voter par oui, par non. Très bonne, si très bonne analyse. Très bonne analyse. Et presque certain qu'il y aura un premier tour. Et le deuxième, le président sera élu au deuxième tour. Et moun qui était comme élément ta capable de gagner un seul vote là, c'est lui-même qui pourrait même voir l'élément clé, l'élément le plus important du système. Si dans l'intervalle, il n'y a pas aussi des revirements ou bien une situation qui poussait à un niveau tel et qui était capable de mettre que le prochain président élu avec 5 ou 6 votes. Très bien. Parce que moi-même, j'ai besoin aussi d'analyse Mankembe et m'a prétendre pour moi d'ici cet après-midi ou demain, qui vient ça à pied. Mais non, pas important que j'ai besoin d'attirer l'attention. Allez-y, sénateur. Moi, conseiller présidentiel de mon État, Simtassa. Eh bien, conseiller présidentiel, y compris moi-même, conseiller présidentiel au pluriel, oui. Eh bien, qui ça a il y a urgence, l'urgence de désigner au plus vite un président. Et le président devait être choisi cet après-midi même. Très bien. Bon. Il ne faut pas perdre de temps pour que l'inscription ou le dépôt des pièces pour la désignation du premier ministre, eh bien, l'y fait le plus rapidement possible. Et ceci... depuis après-midi, un dossier d'autres est déjà commencé à déposer pour le poste de Premier ministre parce qu'il faut doter le pays d'un Premier ministre et d'un gouvernement pour moi-même dans les prochaines 72 heures. Très bien. C'est clair. Parce que
Si l'international, sous une forme ou sous une autre, doit appuyer le système, doit appuyer l'initiative, eh bien, il doit pouvoir, ou elle, doit pouvoir disposer d'interlocuteurs. La présidence, à travers le Conseil, eh bien, c'est eux, mais le gouvernement, c'est lui-même qui va en charge de l'action gouvernementale et il va aussi important que le Conseil présidentiel, surtout que pour ce Conseil présidentiel, eh bien, le président de ce Conseil ou bien l'ordonnateur sera un président de protocole, un président qui de représentation, mais le vrai pouvoir va résider dans la majorité de 4 max minimum des membres du Conseil. Parce que le vrai pouvoir va résider au niveau de la majorité de 4 pour tout ce qui a à voir avec les prescrits ou bien le rôle que capable de jouer au Conseil présidentiel là. Mm-hmm. Et le vrai pouvoir, Bouachita, sur le Premier ministre, le gouvernement, l'homme exact. Le plus fort qui va gagner sur les jeudi dans le pays, ce sera le Premier ministre qui va être retenu ou bien choisi par les conseillers. Et exactement. En tout cas, très bonne lecture. Et sénateur Joseph Lambert, très bonne analyse. Ouais, vraiment, ça c'est l'éléphant. Ouais, là, vraiment, c'est papa. Bien, c'est l'animal. Donc, ouais, et comme papa va bon père. Bon père, papa. Bon père, papa. Okay. Est-ce qu'on compte jouer un rôle? Mon cher, pas de mal choisir le slogan. Papa tourner. Est-ce que on compte jouer un rôle dans tout ça qui vient là? Est-ce que on compte jouer un rôle? Bien entendu, je connais que aussi à terre ou encore, pas vrai? Oui, mon équipe est signataire de cet accord. Okay. À travers, bien sûr, le secteur compromis historique aider RED. Yeah, bien. Et nous avons délégué quelqu'un au niveau du Conseil présidentiel. Okay. Et nous aurons très certainement à soumettre deux noms s'il y a lieu, mais très certainement à soumettre un nom aussi pour le poste de Premier ministre. Yeah, bien. Et qui sera dans un lot de 15. Et comme tu as dit, c'est la majorité qui va décider de celui va être en dernier ressort retenu comme Premier ministre. Est-ce que personnellement je veux jouer un rôle? Mon cher, je veux surtout à ce stade de la situation mettre mon expérience, mon savoir-faire à la disposition du peuple haïtien, mais non pas comme Premier ministre, comme ministre ou comme directeur général, mais je veux surtout aider mon pays comme je l'ai fait à distance et auprès de bon nombre de conseillers pour essayer et documenter et bailler impression mais fournir des analyses sur certains sujets d'actualité. Voilà. Sénateur, you là, tu t'es avant ou matin tout? Les frères, c'est à moi. Ok. Merci à moi. Nous étions deux, Yuri la Tortue et moi. Ok. Et nous étions présents ensemble, côte à côte, pour assister à l'investiture ou bien à l'installation des membres du Conseil, que nous encourageons, que nous-mêmes nous encourageons toutes, et que nous demandions, me faire un petit compliment seulement. Très bien. Pour commencer, hein? Ça y est, pour un petit compliment. Très bien. Un petit compliment que me faire. Vous comprenez le premier compliment que je me fais? Uh-huh. Je dis pour une fois, le coup de ce matin, le coup concocté. Oui. De ce matin au Palais National, le coup de ce matin, il n'y a pas eu de fuite. Très bien, oui. Il n'y a pas eu de fuite. Très bien. Ça est bon. Et puis, attendez, 9 conseillers dans le palais et puis au prend au champ. Bon bagage. Le Palais National est un symbole. Non, c'est le symbole du pouvoir. 9 conseillers. C'est le symbole du pouvoir. Eh bien. C'est le symbole du pouvoir. Et non seulement, il était dans ce côté symbole pouvoir, et le geste de ce matin, c'est considéré comme un symbolisme de un pouvoir qui est en place et qui, je ne veux dire, a affirmé et présence li et autorité li et en défiant certains détails. Pour prouver encore une fois qu'ils étaient au Palais National et par la suite, ils ont continué avec la deuxième partie de la cérémonie à la villa d'accueil qui est le siège du gouvernement. Eh bien, merci un peu, sénateur Joseph Lambert, nous comptons pas l'avant-matin.
Merci, en plus, son plaisir. Et puis, je salue les Haïtiens, je salue tout particulièrement nos amis Kona dans tout le département sud-est. Là. Et je salue au passage tous les camarades, tous les amis, sont forts bien sur votre capitaine de Tribord Babord. Pardon, je salue l'équipe là tout parce que je suis tellement longtemps nostalgique. Nostalgique. Nostalgique de Mikoa. Et que je reviens pour continuer à aider mon pays. Et en tant que simple citoyen et en tant qu'acteur politique dans l'âme, et juste dans tombe avec 15 pieds à 15 pieds sous terre, laisse un abdi, alléluia, Lambert. Merci en pile, merci en pile. Bon, où senti que son vieux routier, hein? Où senti son vieux routier? L'analyse fait, produite par le sénateur Lambert ce matin, c'est exactement ça, sur la question de la bataille pour la présidence du Conseil. Et pas étonné pour nous si Lavalas est arrivé pour un présidence conseil présidentiel là, madame, monsieur. Pas étonné. Son gros bataille que lui. Sous que son premier ministre, petit de Saline, il y a clair sous question. Il y a même eu, il y a un fils Belizeur, ingénieur fils Belizeur. Ingénieur fils Belizeur, que j'ai une chance de rencontrer également par la veille. Il dit, nous connaissons, bon, nous, lui-même, c'est petit peuple là. Il était dans TPTC, il a travaillé chancerel, il a travaillé dans cité militaire. Donc tout à terre, c'est ingénieur fils Belizeur. Je parle à sénateur Maurice Charles, il dit fils Belizeur avec le premier ministre, lui-même l'a peut-être fait parce que ensemble de travail, il a fait le faire. Il connaît avec fils Belizeur, il parle de travail moins. En tout cas, attends de voir. Après-midi ou bien demain, il a connu qui est ce qu'a président de conseil là. Donc, madame, monsieur, le pouvoir, on va faire pouvoir. C'est qu'on y a Haïti à prendre route là, la petite couple là tout petit. Parce que la retourner dans la question bicéphalisme. Un exécutif qui a une présidence plus son premier ministre. Donc, son couple que l'a fait là, parce que après l'assassinat du président Jovenel Moïse, Haïti devient net. Bien que ça, il va nous justement une intervention militaire. Mais écoutez, compris à chaque sacrifice. À tout soit fait, compris. Donc, ou pas, j'aime que tout bagaille ensemble. Parce que c'est encore nous-mêmes ici qui nous connaissons comment nous pouvons le comporter. Ok? Pour ça, il n'y a pas jamais arrivé encore. Dans 20 ans, maintenant, tête nous que ça qui là comme situation, il parle de nous, une force militaire ou bien une intervention. Qu'a duré 20 ans, comme t'as dit déjà, non matin débat. Monsieur Premier Moon, les Haïtiens ont été invités aux Nations Unies, mandé aux Nations Unies pour faire intervention militaire. Monsieur Premier Moon, dans le pays, qui dit ça pas bon pour le pays, l'oukou les États-Unis. Nous t'avons même suggéré pour nous engager une agence de sécurité internationale. Nous t'avons même cité Wagner. Je ne vais pas garder les questions politiques, géopolitiques, États-Unis là ou sinon. Je vais même citer, je vais même proposer pour nous aller vers Wagner. Ou du moins sur l'agence de sécurité internationale aux États-Unis. Le Codési était position pas. Mais je dis à madame, monsieur, nous finissons faire tout dérive ça. Nous avons président que nous assassiner. Nous avons président que nous manger. Nous finissons faire tout dérive ça. Puis je pense que comme si tout le monde a coulé douce et puis tout le monde normal. Non, nous avons pris pour ça. Il faut payer pour ça. Et c'est lui qui a payé aujourd'hui. Nous avons assassiné le président. Quand nous avons fait une intervention militaire, nous avons payé pour assassinat. C'est le prix de l'assassinat. L'intervention militaire, madame, monsieur. Aïe, aïe, aïe. L'intervention militaire, c'est le prix de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je vais répéter pour nous. Ici, Martin Débat. Je vais répéter pour nous. L'intervention militaire, une intervention militaire en Haïti, l'occupation qui se dessine actuellement par les États-Unis d'Amérique sur Haïti, c'est le prix de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Faut payer, et lui n'a payé là. Parce que si Jovenel Moïse peut assassiner, vous d'accord? T'as pas gagné l'élection, nous parlons de ça comme situation. Pas gagné Ariel Henry.
Donc, monsieur, dame, qui t'a concocté, planifié, coordonné pour assassiner président Jovenel Moïse, là, c'est sous deux aujourd'hui, là, occupation Haïti a fait. Et eux-mêmes qui votent le banon. Les hommes de ce secteur privé qui étaient impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, là, c'est eux-mêmes qui ont mené à nous l'occupation, aujourd'hui. Parce que l'occupation, l'assassinat, l'occupation, c'est le prix de l'assassinat. Et eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Tout ça dit, il faut comprendre. Parce que si pas de assassinat Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas tout ça. Pas de guerre, oui. Jodia qui t'a pas demandé. Qui t'a pas demandé. Et. Cherchez place à monsieur. Pas la bien Ariel Henry. Qui t'a pas écrit Nations Unies pour demander une intervention militaire. Ariel Henry pas même existé. Donc l'occupation qu'on va qu'on va connaître, madame, monsieur. Qui t'a absorbé, qui t'a digéré, qui t'a pas digéré, eh ben, cadeau. Ok? Intervention militaire qui va venir là, Kenya. Avec tout petit pays, bah, Joel Bokye, qui là, Obama, Jamaïque, bah, ok? C'est pris assassinat. Donc, moun qui participe à l'assassinat de Jovenel Moïse, ouais, juste qui bat tout arrivé, il fait un pays. Ya. Non seulement il fait un tour en pays, en termes d'image, il assassine un président élu. Ok? Par-dessus de tout ça, ils ont mené dans le pays, ils ont troupe d'occupation, ils ont force d'occupation. Qui hypothèque, qui parle hypothèque, avenir de toute une génération, de toute une jeunesse, de tout un pays, minimum 20 ans. Je pense que j'ai trop parlé ce matin. Voilà. Est-ce que j'aime ça? Peut-être que j'aime comprendre ça? Tout ça, c'est pris assassinat. Parce que l'occupation qu'il a, lui, minimum 20 ans. Minimum 20 ans. Combien de temps le ministre a fait? 13 ans. Ministre a fait 13 ans. 13 ans, le ministre a fait dans le pays. Et 5 ans après, nous avons une situation que nous avons demandé encore une intervention militaire. C'est nous qui demandons. C'est Haïtien qui demande intervention militaire. C'est nous-mêmes qui signons, qui demandons intervention militaire. Nous-mêmes encore. Et si le président n'est pas assassiné, si Jovenel Moïse n'est pas assassiné, nous ne sommes pas dans la situation. Ça. Nous ne sommes pas dans la phase qu'on a pour demander intervention militaire. Non. Donc, quoi qu'il y ait bon niveau, méchanceté n'est pas arrivé. Il a assassiné le président, pas un problème. Le président a assassiné, il a fait tellement, il a fait finir à lui, et puis ça finit. Mais oubliez que il a hypothéqué l'avenir, je dis à tout ton pays, toute ton nation, toute ton jeunesse pendant 20 ans. Important aujourd'hui. Et ça y est. Il y a des gens qui prennent assassiner le président comme on. Et ça y est, nous ne parlons pas. Ça va du matin là. Ça va dire après midi là, madame, monsieur. Nous ne parlons pas de ça, non. C'est qu'on a tout pour nous avoir raison. On dit qu'est-ce que ça nous connaît déjà pas. Sérieux, mais c'est vrai. Parce que, madame, monsieur, depuis que vous avez intervention militaire dans le pays, ou sous chapitre 7, donc, pas aucun investissement sérieux que le pays s'est recevoir, sinon que des dons. Qui dons? Côté de Malé là. C'est vrai que le pays a pas débloqué, conseil présidentiel, ou ta gauche ou ta droite débloqué, mais ou bon ce phénomène banditisme là, il va éradiquer. Non, madame, c'est pas un seul coup, c'est pas un seul coup. Madame, monsieur, comme si d'après nous-mêmes, barbecue, iso, pas que ça encore, non, c'est vrai. Yo qu'a font poser, comme si phénomène banditisme là, d'après nous-mêmes, il y en a éradiqué net totalement, c'est pas vrai. C'est-à-dire que nous avons toujours un problème, nous avons toujours regretté un problème parce que nous ne comprenons rien dans rien. Et par exemple, nous avons dit, comme nous faisons commentaire, oui, nous sommes content parce que le conseil président. Oui, je suis content. Oui, je suis content. Et puis après. Et alors? Je suis content parce que mon pays m'a débloqué. Je suis content parce que je dis à Haïti tourner dans le bicéphalisme là. On prend un exécutif à deux têtes. Oui, je suis content, je suis content. Parce que nous bouquons avec une question de Ariel Henry, gouvernement. Mais bouquons ça! Quand fait pas content? Oh, il nous connaît content, bagaille, bagaille. Écoutez, on a fait parler de 7 têtes. 7 têtes, qui ça? Moun qui parle de 7 têtes, ça on fait. Il était mettre 21 têtes. M'besoin pays à marcher. Débloqué, c'est un besoin. Il était m'besoin de la petite là. Je ne vais pas parler de la là, mais m'besoin de la petite. Mais vous naïve. Il y a quand même un problème.
besoin al kafou là. OK, moi besoin al petit là même. Dernièrement là besoin petit là même pas capable. C'est sel ma chemin mit sel. M'oublie acheter ma mit sel louko. Mais venir de l'eau. Mais tout net. Mais tout comme là. Ai dit que j'ai les magie pour me faire. Pour me nous négocier son petit là même pour moi. Petit de l'eau là même pour moi. C'est sel m'oublie prendre de l'eau sel. Ouais. Bon, ai dit que j'ai des fois on font magie. J'ai les magie pour faire. Ou ga ouzel. Regardez, vous connaissez. Quelle magie vous faites? Ou pas besoin de mettre, ou pas besoin acheter celle. Ouais, ouais, ouais. Grand maître. Hein? Quelle magie vous faites? C'est celle. C'est de l'eau, mais on a besoin. Et pas celle où vous voulez prendre. C'est de l'eau, mais on a même besoin. Mais il faut magie, Louko, dernièrement là. Pour expédition, bien fait. Oui, vous dites Jean. Vous connaissez? Pour me faire expédition. Je ne vais pas jouer le monde. Je vais prendre de l'eau, mais à vous, moi. Il m'a donné $2,000. Tu as dit là? 6,000 gouttes, il m'a donné. Tandis que. Pour avoir de l'eau en mer. Pour avoir petit de l'eau en mer. Ou galon de l'eau en mer. Ou galon de l'eau en mer. 10,000 gouttes. 10,000 gouttes. Pour faire magie. Pour faire petit magie. Et c'est un qui va même goûter tout comme ça. Les gens ne peuvent pas mettre comme ça. Eh bien, c'est Abdul. Eh bien, comme il y a beaucoup d'argent. Et les gens mettent comme ça. 4 cafous. Ouais. Est-ce qu'on voit? Donc ça veut dire que. Dernièrement, on a besoin de faire. On va nous faire pour un client. Bon, je ne vais pas mentir. Je suis arrivé dans une situation où je dépensais plus que quoi pour me faire. Elle dit que l'important pour que nous comprenions ce que nous prenons là. Parce que nous n'avons pas qu'à vivre. Nous n'avons pas qu'à vivre. Donc, nous dit que chaque monde dans le moment là, faut nous organiser. Faut organiser nous. Faut garder ça qu'on fait. Faut organiser nous. Je ne vais pas demander au monde pour appuyer CP, conseil présidentiel. Je ne vais pas nous. Je ne vais pas nous conseil. Je ne vais pas nous faire conseil. Je ne vais pas nous. De plus pour. Pays à débloquer. Je vais de plus pour. Cour de cassation, je prends un juge à la Cour de cassation. Et pour ça, je vais plus. Mais nous faisons promotion ici à tout. Voilà. Mais dans le coup, là, quand c'est conseil qui passe, et dans le conseil situé, quand c'est conseil qui passe, je vais dire là, en bas, les bénéfices du doute. Qu'on a un travail pour nous voir si pays a sorti dans l'alia. Dès qu'il parle l'opposition, c'est normal, c'est la démocratie. Oui, l'opposition. Parle l'opposition. Maintenant, qu'on y a là. Et puis, fin de matin, de bâtiment. Mais tout. N'a dit conseil là. Parmi les persécutions politiques, parce que moi, nous subissons ça. Moi-même, quand je parle avec nous là, si je suis plus avec Fonzel B, qui c'est camarade moi, Zami moi, si je suis plus avec Fonzel B, c'est machine là. Il y a une machine moi. Et la police nationale, crase machine moi. Quoi, conseil? Nous sommes membres de la police nationale. Nous sommes membres de la police nationale, moi subi une attaque. Yo fin arrêté monsieur Jacques et monsieur Samuel Sassiné, voyez Jacques Bia photo arrêté et nèg brio coubé en bas l'ordre et Samuel Sassiné. Y a arrêté Delma. Y a la machine pour madame là. Madame là marche à pied dans moment on a parlé là. Yo arrêté moi, yo crasé machine moi et puis gros méchanceté en fait moi, m'pa vle aller avec dossier sur plan international loukou. Louko, non, ton est boulem. Frontel B, abjure. Ouais, Frontel B. Si m'y a pigou là, monsieur, ça. Frontel B, ouais, si m'y a pigou là, mon frère. Pas jamais non gouman, monsieur. Ouais. D'ailleurs, là, moi-même, m'pap jamais en face la police. Très bien. Monsieur, pardon. Ma chou, non, individu, m'pap dans la police nationale. Qui est le Frontel B, qui est directeur général de la police nationale. Qui te promet, moi. Li conscient. Ou j'ai rien qui se marie, machine. Li conscient. Pas jamais bon machine, non. Très bien. Moi-même, ouais, m'y a relax. Ouais. Mais il est vraiment mauvais, toi. Elle est mauvaise. C'est criminel qui monte. M'a pas menti. Et c'est criminel monte. Caca voyé. Caca voyé. L'homme a fait. Et laisse ça. Nous pas caca même. Parce que criminel pas joué nous. Mande policier à salle de prend. Policier crase machine là. Almandel. En tout cas, donc la salle de Ganga Ouzel. OK, qui lui-même nous connaît et Ganga Ouzel ou même qui besoin en contact avec Ganga Ouzel et pour tout bien. Pour tout bagay chance, belle chance, bagay sa yo, eh bien, ou Karile ou Gaouzel, dans 215-954-7150. Eh bien. 215-954-7150, et il va oublier, et pour checker avec Fofatanise pour installation de caméra. Ok? Dans le moment où on a parlé là, et m'bon soldat est important, monsieur, pour nous et contacter la SKE, monsieur, il m'a capable, et souligne pas bon, selon yon confrère, et Jerry Larson Xavier. Eh ben, et si monsieur Belayo qui gagne notre tête les Kempes et recommencer monsieur Général dit on fait la paix
mais il y a la vie. Donc, Bel Air attaqué pour une énième fois matin. Non, écoutez, là, c'est pas le bête là, madame, monsieur. Écoutez, madame, monsieur. Et c'est justement ça, madame, c'est à l'heure, Delma 24, et en pile 4 ou chap tiré. Pour qu'on souligne, il débouché dans Delma 24 là tout. Alors, dernière partie d'analyse suite à l'installation du conseil là, c'est là que nous arrivons là, qu'on y a, madame, monsieur. Et, mais avant, m'a dit nous que faut nous parler avec le sénateur Latorduy. Il y a le député Georges Chancy, ok, à travers un tweet du parti politique AC qui saluait donc l'installation du conseil présidentiel. Bon, on a essayé le député Georges Chancy là que nous va joindre et probablement nous n'avons parler avec lui peut-être demain ou bien lundi prochain. Donc sous question installation conseil là et probablement on va laisser caler si nous capable font parler avec le sénateur Yula Tortue. N'a salué Eustache Prudent. Merci en pile Eustache. Également n'a salué madame Dominique Boyer qui est directrice générale de Fonds Causé. N'a salué tout agent Fonds Causé net en forme Roland. Tout agent font causer honnête, font causer et donc qui branche donc émission matin débat. On allait. Dernière analyse sous question installation également investiture conseil là. Matin débat ouais nous toucher tout aspect haut. Et ça qui matin débat. Et bien France Grandsus ancien secrétaire d'État et communication. Je salue l'installation du conseil présidentiel. Je souhaite qu'il œuvre rapidement à la nomination d'un PM pour former un gouvernement inclusif car les grands chantiers ne peuvent plus attendre. La sécurité et l'apaisement social, quand même l'apaisement, la réforme constitutionnelle, les élections entre autres. Écoutez madame monsieur, c'est une situation de fait. Ok. Dernier aspect d'analyse qui a rapport avec l'investiture et également l'installation du conseil, madame, monsieur. C'est la situation d'insécurité qui est donc en Haïti. On parle d'insécurité après monter deux crans à partir de ce soir. Ouais, week-end ça? Week-end ça va être très difficile. Si j'en ai dit ça. Ouais. Et Tijan de Dil. Weekend a pas très difficile. Nè qui pral mande négocier, qui pral besoin. Besoin négocier, justement. Qui pral besoin poste. Des bagages. Qui pral mette pression. Ouais, ok? Pour qu'on se la capable de vivre sur yo. Et bon, bah, et puis si gen là, non? Ok? Donc, préparez nous, parce que gon secteur qui pral vle qu'on se l'installe. Et qu'on se l'installe, qu'on y a, ça va passer. Ou pas, c'est que le secteur ça pral été bois casé. Comme si le conseil là, secteur parle de l'écrité. Non! Secteur parle continue de frapper et il parle frapper plus fort. Pour le conseil là, capable de tenir compte de lui, puis il est capable de venir sous table de négociation. Malheureusement, c'est face à ça qu'il fait politique dans le pays. Ouais, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement. En tout cas. Mais tout, le combat de la bagaille. Si on est rentré dans la logique complot, pour tout yon même conseil. Non, si arrête ou. Non, même conseil là qui connaît. T'as l'œil. Non, si arrête ou. Bah là, comme on a une plainte, oui, et persécution politique, non? Ouais, très bien. Si on a impliqué, colle. La lague est colle. Non. La bagaille. Son crime d'État. S'ouvre, fel net. Yeah. L'offre fait coup d'État, on fait coup d'État net. Yeah. Mais si on a un petit complot. Ouais, bah, pour aller tout yon conseil. Ouais. Pour aller tout yon n'importe quel témoin. Goy. Y arrête ou. Goy. Bah là, quel monde. T'as vu une plainte, dit oui, persécution politique. Oui. Clair de ça? Clair. Ok? Clair. Fin parler. Clair. M'a dit encore non? Fin parler. Clair. Fini ou quoi? Clair. M'a dit encore non? Clair. Ok. Bon. Maintenant, c'est quoi l'avenir? On va parler de l'opposition. C'est dommage. Peuple haïtien a le pouvoir à un égale. Guy Philippe, c'est dommage que Guy Philippe n'a pas qu'après. Il n'a pas qu'à vous, malheureusement. C'est dommage. Papa ici me connaît, nous c'est bon monde, nous c'est un bon cœur. Nous c'est des monde nous voulons bagarre, nous voulons avec l'amour et sentiment. C'est dommage que c'est comme ça lié parce que les n'a voté tout nous votons avec cœur sentiment. C'est dommage que papa ici bail pouvoir à Guy Philippe et c'est un ami comme ça dit ça. Élection faite jeudi. Oui. Guy Philippe à l'élection, la bien élection. Maintenant c'est dommage que jodi a c'est pas Guy Philippe qui a pris investiture
qui prend investiture dans le palais national également dans la ville d'accueil. Et dommage. Pourquoi ça me dit c'est dommage? Parce que c'est lui-même que le peuple haïtien voulait. Parce que justement, Guy Philippe par la hauteur pour comprendre. C'est le peuple haïtien. Non, attendez. Peuple haïtien. Peuple haïtien. Comment peuple haïtien, monsieur? Peuple haïtien. Non, peuple haïtien, frère. Frère, peuple haïtien. Eh bien, Esaïe. Et oui, il y a un rapport peut-être soit posé qui t'a l'air. Mais pas attendez, sous dit comment peuple haïtien. Ou fait que ce dit là, si il y a élection Guy Philippe dans l'élection la président, qui est-ce qu'a élu? Peuple haïtien. Pas Et le bagage finit par le dommage. Maintenant qu'on y a, est-ce que le bal est en opposition? Est-ce que le bal fait un coup d'état? Ou bien est-ce que la bal est en élection? Équipe qui t'a demandé pour cassation, retourne. Parce que moi-même, nous connaissons, moi dis ça. Songez, moi toujours répété, nous rappelez nous, ça me dit dans le microphone, matin débat. Moi te dis dans le matin débat, selon analyse PAM, selon lecture PAM, il y a deux transitions. Moi-même, nous connaissons. Moi-même, nous connaissons. Nous mêlons. Ok? conseil là. L'homme a pété quand même. Moi-même, pas autrement. Pas oublier que conseil qui là, c'est pour justifier discours Biden dans l'élection qui est faite là aux États-Unis. Faut qu'il fasse. Ok? Correct. Yes. Mais pas oublier, les présidents pas le fin. Bon, si c'est Trump qui passe, bon, c'est pété net. Le 20 janvier 2025, après investissement du président américain, tout donne la chance en Haïti là. Oui. Et conseil là qui là, ou Aristide qui là, Aristide pas. Regardez, Aristide, c'est tout. Gardez ça. Attendez. Gardez ça. Aristide, c'est tout. Gardez ça. Oui. Ok? Elle dit que moi-même, moi, quoi fermement, c'est Louko de Tika parler. Selon ma lecture, selon ça, moi, ça me comprenne, selon ma compréhension, il y a deux transitions, madame, monsieur. Attendons ça. Ligue n'a pas ça, oui? Ligue n'a pas ça, en tout cas. Ok, bon. Il y a deux avions qui débarquent. Pardon, je dis. Deux avions. Deux avions. Selon les derniers éléments d'information, et qui a évolué, Delma 24, bandit a tout le monde. Sérieusement. Demande à la police nationale prend disposition. Pour algum canage qui fait là. À défaut. La police nationale, comme nous, la police très mobilisée. Et tout côté, donc on a demandé la police nationale, on parle bien de UTAG, UDMO, SIMO, et bim, dégagez nous, monsieur. Mais si je te dis, Matia, à partir de mercredi jusqu'à week-end, si je te dis, Matia, nous avons parlé à madame, monsieur, bandit à tout le monde dans le 24. Et le week-end, ça a parlé red en pile, parce que pas oublier le groupe de bandits, qui ont un mec derrière, qui pas de ça installation que cela. Et une fois que cela a fini, ça les qu'on y a là. Eh bien, c'est pas le bêté, madame, monsieur. Fais attention. Bon, il y a deux avions et de l'armée américaine dans tout finance qui débarquent, je dis, qui atterrit à l'aéroport international, tous les voitures. Donc, l'occupation se confirme. Jusqu'à date. Ah, il ne pas dit pas occupé. Où t'es dit, oui. Avion pas le vol de descendre là. Donc, oui. Avion pas le vol de descendre, il avion militaire. Bah, ça, donc, vol pas le reprendre tout. 2 mai. À partir du 2 mai. Et vol sur American Airlines. Et à partir du 2 mai. American Airlines. Oui. JetBlue à partir de 15 mai. Ok. Donc, si American a recommencé voler à partir de 2 mai, ouais. Elle dit que États-Unis, l'armée américaine n'a pas su que. Non, l'État assure déjà. L'armée américaine. Tu ne peux pas qu'être militaire américain. Et porte là. Oh, chargé, oui, monsieur. Chargé. Dès le matin, il me débat information dans la micro-vérité. Ok. Dès le matin, il me débat information. C'est moi qui suis le premier journaliste qui me débat information dans le pays. Ok. Sur le dossier, il y a avion. Ok. Deux avions cargo, un avion et l'armée américaine. Donc, l'armée américaine actuellement a fait mise en place sur Haïti là. Mais c'est clair. Mais il ne peut pas. Ok. Américain ne peut pas occuper Haïti, non? Yeah, toujours. Mais seulement, c'est non, très mais, malheureux. Ouais, quoi, très malheureux. C'est très malheureux. Mais qu'on a balapi. Ils ont metté balapi officiel. Ils ont implanté tentacules sur nous. Pendant que n'a pas ses misères. N'a pas ses misères. Ouais, malheureusement. Ouais. Ok. Là, il y a des soldats américains, des Marines américains qui sont donc actuellement en Haïti, madame, monsieur.
OK, il y a deux avions cargo, nous sommes chez avant hier, Tigon qui est venu avec un militaire, également équipement pour la police. Et ben je dis à deux avions cargo, équipement pour la police et l'armée. Qui portait équipement et pour la police et l'armée plus des militaires qui viennent. OK? Donc ça dit que mise en place pour l'armée américaine pour l'occupation la fête tabatique dans le pays. Mais c'est américain tout. C'est américain qui suivent promotion a fait à travers tout l'autre pays pour l'autre pays vient faire avec mission. Promotion. États-Unis prend contrôle le dessus. Leadership là. Leadership. Monsieur non c'est sous bail là monsieur. Ouais les États-Unis d'Amérique les font bagay, les fait de en des termes voilés et des fois même et moins voilés. Ouais là elle paraît toute colle. Pas oublier depuis les années 90 après le coup d'état de Jean-Bertrand Aristide et les États-Unis mettent un embargo sous l'armée d'Haïti. Mettent un embargo zam sous Haïti en général, m'bon pas dit sous l'armée. Et dans tout ça qu'a fait ni les États-Unis ni le Canada chaque fois qu'il y a problème de sécurité en Haïti. Gon plaidoyer qu'a fait pour déployer les forces armées d'Haïti. Les États-Unis et le Canada toujours répondent pour dire c'est la police qui connaît. Moi journée jodi a, nèg yo besoin installer CP, ouais militaire débarqué même. Yo débarqué yo porté équipement même pour l'armée. Monsieur qui l'en a grand monde tête nous monsieur. Par contre si nous ouais samedi a. Ah on veut parler monsieur. Depuis année. Mais nous connaissons Haïti. Lougolezaï, gardez pour elle, laissez pas finir l'installer là-bas. On prend l'armée américaine débarquer avec ça. Les gars prennent nous pour trois mouillés. Ils prennent nous pour. Ça m'a fait pas compte qui qualificatif n'a pas encore. Ils disent nous embargo aux armes, surtout pour l'armée. Mais je ne le dis pas. Pendant qu'ils ont besoin de faire ça, ils ont besoin de faire ça. D'ailleurs, c'est les États-Unis qui ont SCP. C'est quoi, monsieur? Ils ont besoin de l'installer. Ils ont besoin de SCP, un gang. Justement, on va oublier tout. Mais bon, comme moi ça échappe nous, installation en fait. Napsal le député Alfredo Antoine. Bon bagage. Installation pas un problème. Ouais. Installation en fait, yon joue après que yon avion militaire américain descend dans un port là. Après passer environ un mois, depuis plus de mois, il va fonctionner. Ouais, clair. Et depuis 5 mars, pas un avion qui vole. Correct. Seul sac volé en Haïti, c'est Zoazo avec Lougaou. Et pas même. Même Lougaou, ou pas même un sachet de l'eau, ou pas attendre tout près de là. Monsieur. Pas un sachet de l'eau, non? Qui pétait tout près de là. Et bah, vous et bah, très et bah, non, mon